Eh bien, salut les vilains! On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Atlas Play sur le Kingdom Hearts Rechain of Memories. On est parti! La bataille finale nous attend. Who was it? Who's most important to me? Nothing. Can't you remember? No, I only remember Naminé. Come on, do you guys remember anything at all? Don't tell me, Sora. It's important. But I just can't remember. I don't want to be. But I'm getting scared. Then, we should really make a promise. Huh? What you said back there kinda got my brain, thinking. Whenever you make a promise that's super duper big, maybe it gives you the courage to face the scary stuff. Courage? Yeah, let's do it! And when if we get scared, or in trouble, or even if we get separated. Or even if we sort of forget each other. Whatever happens, we're friends. All for one, and one for all! Ils sont crus dans... dans Yu-Gi-Oh, quoi. Trinité, waouh, ça a l'air puissant, ça. Carte attaque plus dalle plus dingo, infliger de lourds dégâts à tous les ennemis visibles. Ouh, ça a l'air violent. Il y avait une combinaison qui ressemblait à ça, et c'était une sorte de bélier dingo. Donald et Sora, ils attrapaient dingo, et bah ils s'en servaient comme d'un bélier, quoi. C'était assez ridicule, mais très puissant. La petite clé d'ouverture, donc on va bien arriver dans un monde avec encore le système de portes et de clés. Ils veulent pas l'abandonner, ce truc, hein. Ils le kiffent. Bon, de toute façon, on a une bonne grosse réserve de cartes. Castle Oblivion. Voilà, c'est clairement, clairement le dernier monde. Le logo est très stylé d'ailleurs. Ok, let's go. Oups là. Je vais vous snobber, je suis désolé. Alors, une carte valant minimum 1. Easy, on va lui donner celle-là. En plus, on l'a en double. Ensuite, c'est quoi ça là? Sorte d'alarme. Hop. Cave en minimum 2. On a une carte qui vaut 2 ici. Alors, je tiens à vous dire qu'il y aura peut-être marqué fin sur cet épisode. Si c'est vraiment le dernier épisode avant les crédits. Même si plus tard, je suis au courant, on est censé pouvoir refaire l'histoire avec Riku. Je vais refaire l'histoire avec Riku parce que ça m'a l'air quand même assez important. Et c'est une première de pouvoir jouer Riku, donc ça m'a l'air assez intéressant. Par contre, s'il y a les crédits à la fin de l'aventure de Sora, bah ça sera une fin en soi, donc il y aura la petite notation fin, mais ça veut pas dire qu'on arrêtera les épisodes ici. Ok. On se rapproche. Cette fois-ci, il faut une 4. Ah ouais, d'accord, en fait, il va y avoir 10 milliards de salles et à chaque fois, ça va grimper de 1, c'est ça? Ils veulent vraiment nous défoncer toutes nos cartes. Je vais quand même vérifier le plan, mais ça m'a bien l'air d'être ça et il n'y a qu'un seul chemin en plus. Ah non, d'accord, à partir de là, ça va se diviser en plusieurs chemins. Hop. Laissez passer. Donc je suppose que c'est une 5, voilà. On l'aura compris. On va donner celle-ci. Attends, elle a l'air chiante cette carte. Par contre, pièce plongée dans la pénombre où les 100 cœurs grouillent. Laisse tomber. Si on voit même pas où est la porte, j'ai pas envie de me casser la tête.
Donc là, techniquement, effectivement, on a deux chemins. On va chercher le plus court. Bah, c'est celui en face. Oh putain, ils ont l'air méchants ceux-là. Oulalalala. Une 6 cette fois-ci. On va redonner celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs cette carte pièce où les cartes attaques sont plus efficaces? C'est curieux. Hop là. On donne la 6. Ok. Est-ce que c'est la bonne porte? La clé. Oula, non, pas du tout. D'accord. On n'aurait pas dû aller par là. En plus, j'aurais pu le vérifier sur le plan. J'ai été con. Je viens de gâcher une carte pour rien. On peut pas le vérifier. Ouais, on peut le vérifier. Du coup, là-bas. Ah non, on peut pas vérifier si on n'a pas visité avant, en fait. Mais bon, maintenant, on sait que ça peut être que là-bas, du coup. Une 6 encore. Qu'est-ce qu'on a en 6? On a ça. Hop. Un petit coffre en prime, normalement. Ça m'aura vraiment bien servi, hein, d'avoir XP pendant des heures. Oh, ils sont... Même les coffres sont stylés dans cette zone, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On apprend Tempête Rageuse. Mais c'est cheaté, ces coffres, là. À chaque fois, ça donne des compétences. Bon, on s'en servira jamais, parce qu'il faut une rafale et deux brasiers, mais bon, voilà. Ok. Hop. On va utiliser, cette fois-ci, encore un coffre. Tant qu'à faire, si ça nous donne des compétences à chaque fois, on va commencer à les utiliser un peu plus souvent, ces cartes. Ce qui nous donne... Ah non, cette fois-ci, c'est un glacier 3, c'est de la grosse merde. Très bien. On peut pas gagner à tous les coups. 8, 8, 8, 8... Ah, j'ai pas de 8 piles. Et je crois que j'ai qu'une 9 après. Non, attends. Ah, j'ai une 8 ici. Hop. Mais malgré tout, je risque très fortement de manquer de cartes et on va devoir faire une petite séance de farm hors record. C'est quoi ça? J'ai pas bien compris. Par contre, ici, tu veux farmer, t'es servi, hein, des monstres de partout. Carte vers minimum 9. On donne celle-là. Et après, ils vont commencer à nous demander plusieurs cartes, hein, parce que je crois qu'il y a vraiment pas mal de salles. Ah, il se passe un truc, là. You have some nerve to show your treasonous face around here. Some nerve indeed. Treasonous? I don't know what you could possibly be talking about. Why let Naminé go? If it weren't for your needless meddling, we could have turned the Keyblade Master to come and serve us. Oh, right, your big plan. You use Naminé to rewrite Sora's memory piece by little piece. And he turns into her total puppet. Then, using Naminé and Sora together, you and Larxene overthrow the organization. Am I right? I would say that you are the traitor, Marluxia. Since when were you suspicious of us? Do either one of us have the heart to believe anyone? So you only eliminated Vexen to obtain proof of our plan. That I didn't want to do. But it was your order. Oh. Remember the order. You must eliminate the traitor. I always follow orders, Marluxia. Il est stylé, hein. Il est quand même très stylé. Il a beau être copié sur Hisoka, bon, il a la classe. Ça marche à tous les coups, j'ai envie de te dire. Donc il faut une carte valant 0, on donne celle-là, c'est parfait, on en a 2 en plus.
au KLM. Pourquoi ils me font faire un tour là? Oh putain. J'espère qu'on peut aller. Ouais, de toute façon, on peut aller que par là après. Sérieusement? Attends, c'est quoi ce délire là? Ou alors j'ai mal lu le plan. Non, ok, il faut encore une salle et après normalement on peut y arriver. On va utiliser celle-là, on l'a jamais faite celle-là. Pièce où tout est possible. Ça m'a l'air génial. Ouais, en fait, c'est une pièce aléatoire, quoi. Je m'attendais à un peu mieux que ça. Ok, du coup, il faut une carte valant 1 et qui soit bleue. On a ça. 3 et qui soit rouge. On a ça. Et maintenant, 99. Ouf. Il y a peut-être moyen. Alors, j'en ai plein de cette carte. Ok. Encore 13. On y est là. Allez, on sacrifie ces deux-là. Et la clé, non? Le plus important, peut-être. Voilà. Luxine paid the price for disloyalty when she disappeared. You must do the same! The organization's betrayed. In that name, I will annihilate you. That line's not you. Well, had to try it once, you know. Is that your shield? Won't do you any good, I'm afraid. I wonder. Are you listening, Sora? Oh? Axel says he's willing to harm Naminé to get me. You won't let that happen, will you? Oh, come now. You're Marluxia's puppet already? After I finish you, he's next. Now, Sora, we've got more in common than you might think. I'd really rather not fight you. But I can't dishonor the organization now, can I? Non, mais j'aurais aimé de pas t'affronter en vrai, hein. Genre, je sais pas, moi, on s'allie contre le mec aux cheveux roses, peut-être. Bon, bah très bien, on va galérer comme des gros porcs. Allez, on se concentre. Ça risque, genre, mais d'être super chaud, je le sens déjà venir. Ouais, bon, déjà, ok, une carte, c'est 10 coups, quoi. This is it.
Elle est à Trinité là. Je l'attendais celle-là. Alors est-ce que c'est puissant? Non, genre. Putain, alors ça c'est n'importe quoi. Évidemment qu'il y avait des cartes zéro en réserve, ce salaud. Oh merde. Putain mais c'est n'importe quoi, pourquoi ces attaques elles se lancent aussi vite? Moi je peux me faire cadrer avec mes attaques mais pas lui hein. Ok ça fait toute la map, très bien. Non. Trêve. Yes. Du premier coup. Oh. Oh, je suis tellement fier. Bon, il était quand même moins chiant que Larxine, hein, faut avouer. Alors, qu'est-ce qu'on booste? Là, je sais pas, parce que est-ce qu'on va avoir le droit à un moment de pause pour vraiment utiliser ce niveau à bon escient? Je sais pas. On va booster les CP, dans le doute. You're better than I thought you'd be. It was worth saving you after all. Saving me? What do you mean? Sorry, I would hate to kill the suspense. Axel! Non, ne fonce pas, s'il te plaît. Putain, j'avais espoir, je voyais une sale vie, je me suis dit on va pouvoir se reposer. Pas du tout. Sauf s'il y a encore une salle vide derrière la salle vide.
Ah oui, d'accord, non, en fait, c'est juste on retourne dans l'agencement de salle. Donc, le plan. Il faut aller où maintenant? Ça peut pas être là. C'est un trésor spécial, ça, on s'en fout. La fin, c'est où alors? Je sais pas, on va faire les salles là qu'on n'a pas encore visitées, mais. Normalement, c'est indiqué sur la map. Hein. Allez, on avance. Attends, oui, parce que du coup, maintenant on peut améliorer un petit peu notre jeu. Quand même, de 50 points, c'est pas mal. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de sympatoche en termes de cartes attaque? J'ai deux cartes à 7. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai déjà? Axel, qu'est-ce qu'il fait? Axel, utilisation de cartes possibles, même si vous êtes sonné. 10 coups reçus. Le problème, c'est que les cartes noires, comme ça, je sais qu'il y a une manie particulière pour les utiliser, mais j'ai oublié laquelle. Alors, attends. Peut-être que, dans préférence, commande. Alors, rien, faire défiler les cartes. Touche L1 plus rien pour utiliser les cartes stockées. Libérer les cartes stockées. Verrouille une cible. Les cartes stockées, c'est les cartes noires, alors? Non, utiliser les cartes stockées, ça doit vouloir dire celles que t'as stockées avec triangle. Genre, tu peux en utiliser une combinaison de deux, peut-être. Ils peuvent pas me donner les autres touches. Tant pis, hein. Je vais pas prendre le risque de rajouter une carte noire sans savoir comment m'en servir. Du coup, qu'est-ce qu'on va ajouter? Toujours là est la question, n'est-ce pas? Je pourrais mettre ça pour recharger 3 fois mes cartes d'attaque. Ça peut être pas mal, hein. PC 42. Ouais, vas-y, je vais mettre ça. Hop là, ici. Ou alors je mets 2-7, je sais pas, j'hésite beaucoup. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il nous en manque. Hein. Vas-y, je vais mettre les 2-7 finalement. Donc ça, attends, on va virer celle-ci. Et la 7 suivante, elle est là, voilà, tac. On va la foutre ici. Et on est presque à 700, donc c'est parfait. Ok. Attends, c'est pas où? Je pense que c'est par là. Je vérifie. Ouais, je crois que c'est bien là. En tout cas, si on veut voir les salles qu'on n'a pas visitées. Alors, qu'est-ce que ça demande? Une carte valant au minimum 3 ou 0. J'ai pas mal de cartes à 0. Mais tant que je peux utiliser des cartes qui sont pas 0, ce serait pas mal. Non, bon, tant pis. On va utiliser celle-là. J'aurais dû créer un lieu sécurisant pour me full life et faire une petite sauvegarde. Bah, attends, sur la prochaine. Brasier 2, c'est vraiment de la merde. C'est de la grosse merde. Hop. Du coup, pareil, 1 ou 0. Attends, mais je crois que j'en ai une qui vaut 1, donc du coup là j'ai un peu le seum si je le fais pas. Et ouais, regardez, j'ai les 3 là. Ah, je vais le faire, tant pis. Celle-ci vaut 0, je vais la garder. Elle a encore un coffre. Comme ça au moins on aura pris tous les coffres. Et cette fois-ci ça demande une carte minimum 2, je crois que j'ai une 2 aussi. Ouais, j'ai ça, la carte tirage. Mais vas-y, tant pis, là, il me faut vraiment un espace sécurisant. On sauvegarde. Voilà. Il reste plus que ça à visiter normalement.
Attends, où est-ce qu'on est arrivé là? Ah mais du coup on se re-retrouve ici. Et finalement c'est la dernière bah c'est la dernière porte qui reste quoi. C'est quoi ce délire? Non là il y a écrit pièce inconnue. Pièce inconnue et elle est ouverte. Attends, c'est laquelle la pièce inconnue? Non attends, t'avais le lieu sécurisant. Faut revenir en arrière. Mais c'est bizarre, j'avais pas vu de chemin si. Ou alors je me suis totalement planté. Non, je veux pas réutiliser une carte. C'est par là. Et celle-ci, on l'a jamais ouverte cette porte. Ok, d'accord. You've defeated Axel. The Keyblade's power. How I've longed to make it my own. Let Nominate go! You've no chance of winning. Nominate, erase Sora's memory. But if I do that? That's right. Sora's heart will be destroyed. His heart destroyed? You can do that! I'd rather have preferred him unmarred. But he can be rebuilt, more to my liking, with time. Nominee, do it. No. Sora forgave me even when I deceived him. So how could I destroy his heart? There's no way! I don't care what happens to me. I won't hurt Sora. I won't do it! Then you will. Do it, Nominee! I don't care. You can erase my memory. Sora, why'd you say that? Because who will I look after if I don't have Nominee? So just do it. Erase my memories. Destroy my heart. I promised. I'll always protect you. You have to believe me. Sora. I don't need any memories to take on someone like Marluxia. You bet! Even if Sora forgets it all, Goofy and I won't forget. Donald's right. He and I can remember everything for Sora. See? I'll have all my friends' memories, so I can piece my own together again. You ignorant fool. If Nominee uses her powers to erase your memory, you'll be nothing but an empty shell. Your heart will no longer be able to feel or to care. Just like Vexen's pathetic imitation of your Riku. Take another guess. What? It can't be. Riku! No. Just an imitation. You're a shell. A shell who has had everything taken. Everything! What can you possibly think I ever had? Both my body and my heart are fake. But there is one memory I'll keep, even if it's just a lie. Whether it was a phantom promise or not, I will protect Nominee. Imbeciles. You would knowingly shackle your heart with a chain of memories born of lies? You would be one who has a heart, yet cast aside your heart's freedom? You turn from the truth because your heart is weak. You will never defeat me! J'ai pas trop bien compris tout ce bullshit, mais ok. Très bien. Ça c'est les bons gros héros, tu sais. On leur dit un truc pas 100% logique et eux ils arrivent font. Bullshit, 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 je suis trop fort. D'accord, très bien. Bon bah ok.
Bon, au moins Sora n'a pas perdu ses souvenirs, donc là techniquement tout ce qui se passe est plutôt normal. Et on va essayer de se concentrer parce qu'il a l'air chaud le monsieur là. Pour l'instant il fait pas grand chose mais... Ok, qu'est-ce qu'il vient de faire? Je fais carte break hein, j'ai vraiment pas envie de prendre de risque. Lui il a des vraies esquives tu vois, il se téléporte quand il esquive un truc. Je veux la même chose. Putain j'ai fail là par contre. Oulala. Oulala, c'est quoi ça? Pété. Oh putain, pourquoi j'ai fail là? J'ai utilisé mes cartes dans le mauvais ordre. Dépêche, dépêche, dépêche. Oh non putain j'ai encore fail. J'en ai marre de fail. Allez, il s'offre à moi là. Yes. Bon il me paraît un peu facile pour un boss final. Je pense qu'il y a une deuxième phase. Mais en tout cas je l'espère pas. Vraiment je pense mais je n'espère pas. Ah j'ai gagné la carte. C'est à dire que ça y est je l'ai vraiment terminé. Mais il doit y avoir un boss final c'est sûr. Genre autre que lui. Ça m'a paru vraiment un peu trop simple comparé au combat qu'on avait vu avant. Je prends deux niveaux. Ok. You could say that. However, what you destroyed was merely an illusion of me. So what? Another imitation. He's really in there?
Yes. I knew it. I can feel his power. It's trying to destroy my heart. Gorge! We'll just take care of him together! Sora, come on! Riku, protect Naminé. You don't mind? Should I? All right. Bon, ben voilà. Il y a bien une deuxième phase. C'était juste du bullshit, encore une fois, ce combat. Il va falloir se concentrer encore plus, hein. Bon, du coup, je pense qu'on va le faire dans cet épisode. Voilà, comme ça, c'est vraiment le dernier épisode de l'aventure de Sora. Attends, il n'y a pas de point de sauvegarde ici? On va retourner un coup en arrière. Ah non, c'est là. Putain, mais le blanc sur blanc, laisse tomber. On va sauvegarder. Ça fera donc un épisode un peu plus long pour la fin. Ça tombe bien, c'est très très cool. Hop, on sauvegarde. Je vais améliorer mon jeu aussi. Allez. Alors. Le jeu. Tac. Modifier. Qu'est-ce qu'on a de beau? On pourrait ajouter, je sais pas moi. J'aime vraiment pas ces cartes invocation. Je les trouve assez nazes. Je pourrais remettre la potion là à 5. Ça serait une idée. On va la foutre là. Voilà, il y avait toujours sa place. On a encore 11 points dispo. Coûte combien celle à 20? J'ai pas une à 0. Ah, mais si, il faut foutre des 0 aussi pour pouvoir counter un peu mieux. La 0 la moins chère que j'ai, elle est encore trop chère. Bon, je vais la foutre. Tac. Et je vais du coup dégager celle-là. Mais peut-être remettre la même. Ah non, attends, peut-être que je vais foutre un max de 0 du coup. Pour pouvoir vraiment bien counter. Et là, il me reste encore 15 points, tu vois. Et c'est quand même ballot de pas utiliser. Vas-y, je vais mettre celle-là à 6. Ok, ça devrait faire l'affaire. On est à 750 piles. On y va. Je pense qu'on peut reparler à tout le monde avant de se battre, mais... un peu la flemme. Nous y sommes, Sora. Le dernier combat. Tu es prêt? En avant. J'ai hésité, hein. J'étais en mode... On va souffrir. Soon the emptiness will shatter your heart. Here in this world of nothingness. As lightless oblivion devours you, drown in the ever-blooming darkness. Ok, je m'attendais à une sorte d'évolution comme ça, être démoniaque bizarre. Un peu comme on a toujours dans les Final Fantasy, tu sais, le boss final dans sa version humaine et puis une sorte de transformation dégueulasse, très chelou. Ok. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. On est sur une bonne lancée là. Your heart shall be checked. Away. Ah bah j'aurais au moins essayé. C'est quoi ça? Attends, c'est une cinématique son truc. Oh ok, on pouvait quand même card break. No good. No good. No good.
To the world without light! What? This is it! Putain, mais j'arrive pas à le toucher! Putain, mais c'est pas possible. Il y a plein de coups qui marchent pas. Ok, je récupère la vie qui est là. C'est dans one shot ce truc, tellement que ça a l'air pété assez HP. Par contre, ça a mis un petit peu la visibilité. C'est chiant. T'arrêtes de bouger. Insupportable cette carte. Lâche ta carte break. Ok, récupère ta vie. Il est où là? Je te calme, coup de grâce. Oula, ça avait l'air pas mal ça, mais j'ai pas pu le faire jusqu'au bout. Chiant. J'ai arrêté de respirer. Bon, c'était honnêtement un des boss les plus faciles du jeu. C'était très bizarre d'ailleurs. Mais vraiment, j'avais pas envie de relâcher ma concentration pour autant.
J'espère que ça veut pas juste dire qu'il y aura encore une troisième phase, parce que là... What? Ce qu'il vient de dire, c'était pas très sympa, hein. Je vous le dis, pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais, c'était pas genre « j'avoue ma défaite », c'était plutôt « je vais te péter la gueule ». Ah bah voilà. Super. Très bien. J'en ai marre. Wouah, c'est quoi ce truc? En plus, comment la map, elle est étriquée, c'est un putain de triangle. Ouais, bon, d'accord, Persona, quoi. Vraiment, c'est Persona. Trop d'inspiration dans ce jeu. Allez, concentration. Oh non! Break, break! Ok, c'est bizarre ce système, mais très bien. Je le bats de 1. Putain, mais il spam comme un sale porc. Ouah, il m'a niqué toutes mes cartes. What? C'est quoi cette connerie? Calme-toi. Merde, c'est sérieux? Je peux pas combiner les cartes pour le contrer. Je vais mourir. Non, putain, à la seconde près, quoi. Oh, je suis dégoûté. Eh ben, j'ai été obligé d'enlever mon micro. Hein.
Si vous voulez mon avis, je pense que là il est mort. Voilà. On n'aura pas de troisième phase. You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Naminé. But I know those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours and yours alone. They're special. Sora, you're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories. Just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No. It will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you. Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes. You won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Sora, you have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that.
to remember again, we have to sleep in that? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Of course, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal. And it will say, thank Naminé. Oh, good. That makes me feel better. Well, good night then, Naminé. Good night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I could meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Naminé. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. A promise? Huh. Sora, some of your memory's links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was. Kairi! My friends! Naminé? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light... it will be ours, and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost.
peu sur ce jeu. Bon, je vais pas vous cacher qu'il était extrêmement répétitif, hein, à chaque fois arriver dans un monde qui finalement recyclait du premier, où il faut utiliser ses cartes, etc. Bon, un peu relou. Au début, j'avais pas trop ce gameplay d'utiliser les cartes. Après, vers la fin du jeu, j'ai commencé à bien mieux comprendre la logique. Mais je pense que c'est surtout parce que les derniers boss, qu'on a réussi plus ou moins du premier coup, étaient beaucoup plus faciles. Ça a paru très bizarre. Les, vraiment les boss finaux, donc Axel, les deux versions de Marluxia, j'ai déjà oublié son nom tellement que c'est de la merde, étaient vraiment beaucoup trop simples comparé à la meuf blonde, dont j'ai oublié déjà le nom aussi alors que je l'avais déjà cité dans cet épisode. Les versions de Riku, incroyables, ils étaient trop forts, ils envoyaient 10 milliards de coups à la seconde, ils lançaient leurs cartes. Normalement t'as un système de card break, mais au moment où ils lancent leurs cartes, bah t'es déjà dans leur combo et du coup t'es stun. Donc tu pouvais pas vraiment répondre de carte par carte, ça te laissait pas vraiment le temps de réfléchir ni d'agir. Donc à ce niveau là c'était un peu dommage, ça a forcé à farm comme un porc pour avoir des niveaux d'avance. Mais au final j'ai trouvé le jeu plutôt sympa, au moins ça développe l'univers Kingdom Hearts, l'univers qui est propre à Kingdom Hearts, pas juste le côté Disney. Et du coup j'ai vraiment envie d'en apprendre beaucoup plus sur cette organisation, le truc qui se trame, quels sont les enjeux finalement. Et je pense qu'on aura le droit à tout ça lors de l'aspect Kingdom Hearts 2, qui sera le prochain, une fois qu'on aura terminé la petite aventure avec Riku, qui j'espère, elle, sera un peu moins répétitive, un peu plus cool et genre plus courte aussi, parce que, à ce que j'ai compris, il va refaire les mondes qu'on a déjà fait, mais j'espère de manière différente, sans avoir besoin de farmer, etc. Parce que, voilà, se refaire deux fois le même jeu, même si tu changes le personnage, très peu pour moi. Voilà. Du coup, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera rapidement donc, pour l'histoire.